Bonjour à tous, je m'appelle Armelle Timine et je suis thérapeute énergéticienne spécialisée dans les accompagnements au changement par le biais de la lecture des blocages inconscients et la déprogrammation des mémoires cellulaires et karmiques. Savoir aimer est un apprentissage. Savoir aimer l'autre est un apprentissage. Pourquoi? Parce que vous ne le connaissez pas. Vous ne connaissez pas la personne qui est en face de vous. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire vraiment aimer l'autre? Aimer l'autre, ça veut dire aimer l'autre à partir de ce que l'autre est, à partir de ce que l'autre aime, à partir des besoins de l'autre et des envies de l'autre. J'entends beaucoup dans les consultations que je reçois des personnes qui sont perdues et qui sont dans une incompréhension parce que je vois bien l'exemple justement de cette femme qui m'exprime, mais je fais tout pour lui faire plaisir, pour faire en sorte que ça fonctionne, et malgré tout, il n'est jamais content. Et en fait, la question, ce n'est pas il n'est jamais content, la question, c'est est-ce que tu lui as posé la question de ce qu'il veut, de ce qui lui fait plaisir? Et justement, aimer l'autre, c'est justement avoir ses preuves d'amour, mais à partir de ce que l'autre aime. Et à ce moment-là, ça nous demande justement de nous ouvrir, de vous ouvrir à écouter l'autre, de vous ouvrir à être attentif aux besoins de l'autre. Et justement, ça résume à ce que je dis souvent, c'est ne donnez pas à manger à celui qui a soif. Apportez à la personne ce dont il a vraiment besoin, et de cette manière-là, cette personne se sentira non seulement entendue, pris en considération dans la réalité, choyé dans ce qu'il aime, et à ce moment-là, cette personne se sentira véritablement aimée. Savoir aimer vous demande justement de vous mettre en arrière-plan pour justement accueillir l'autre, mettre l'autre au cœur de ce que vous aimerez lui offrir. Ça veut dire que ce que vous considérez comme bon et juste pour vous n'est pas forcément ce qui est bon et juste pour l'autre, puisque chacun a sa réalité, chacun a sa spécificité, chacun a son histoire, chacun a ce qui fait de lui ce qu'il est grâce à son histoire passée. Donc, ce qui est bon et juste pour vous est personnel. Ce qui est bon et juste pour l'autre est aussi personnel. J'espère que cette vidéo va vous permettre de mieux vous comprendre dans vos relations, de mieux savoir faire plaisir à l'autre, de mieux respecter aussi ce qui est bon et juste pour l'autre et qui ne l'est pas pour vous. Voilà. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser, je serai ravie de vous répondre. Merci de partager cette vidéo si elle fait sens pour vous et je vous dis à très vite. Au revoir.